Jérémie chapitre 12. Non, Jérémie chapitre 2 au verset 18. Traduction œcuménique de la Bible. Et maintenant, qu'est-ce qui t'attire sur la route de l'Égypte pour aller t'abreuver à l'étang d'Horus? Point d'interrogation. À l'étang d'Horus. Vous voyez? Même dans Jérémie, on faisait déjà allusion à Horus, bien avant le christianisme. Donc, cette croyance-là a toujours existé d'Horus. Et peut-être vous allez me dire, mais si, ah, ça veut donc dire que Christ est arrivé avant Jérémie, alors? Avant ce que Jérémie est en train de dire? Alors que les Jérémie, les prophètes qui étaient avec au temps de Jérémie, c'est-à-dire avant et après Jérémie, ont prophétisé que Christ allait arriver. Mais que ça ne coïncide plus. Non, c'est parce qu'ils ont changé l'histoire. Ils ont changé des dates pour vous embrouiller. Ils ont changé des dates pour vous embrouiller. Ça ne veut pas forcément dire que quand vous lisez Matthieu, il y a Matthieu, il y a Marc, il y a Luc, il y a Jean, que forcément, que soi-disant que c'est Matthieu qui a écrit, que le premier évangile c'est Matthieu, et ensuite le deuxième c'est Marc. Non. C'est eux qui ont mis ça, qui ont mis ça ainsi. Ésaïe le prophète. Regardez, quand vous voyez les livres des rois, le livre des rois est arrivé avant Ésaïe. En tout cas, quand vous lisez dans la Bible, et on parle d'abord des rois, et ensuite on parle d'Ésaïe après. Le livre des rois apparaît avant, et le livre d'Ésaïe apparaît plus tard. Vous allez me dire, donc, le plus ancien, c'est d'abord le livre des rois, et ensuite c'est Ésaïe après. Non. Puisque Ésaïe, je dis bien, lisez bien l'Ancien Testament. Vous allez voir que Ésaïe a toujours existé. Quand il dit Ésaïe a toujours existé, quand Ésaïe, c'est une prophétie que Ésaïe donne. C'est venu dans les livres des rois aussi. C'est à cette période-là, on parlait déjà de ça. Bref, c'est pour vous montrer que la chronologie, elle est fausse. Elle est complètement fausse. On met Genèse, on met l'Exode, on met tac, 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 Lévitique, ainsi de suite, pour vous dire que non, c'est pas ordre, c'est pas ordre. Ésaïe, on met, c'est pas ordre, mensonge. C'est le mensonge.